Midelt, Maroc. Au pied des montagnes du Haut Atlas, six moines trappistes de l'ordre cistercien vivent au prieuré Notre-Dame de l'Atlas. Ils y poursuivent la vocation reçue à Tibirine, en Algérie, vivre la vie contemplative et s'ouvrir à la rencontre avec les musulmans. Je suis le responsable de cette communauté depuis 1999. Nous étions d'abord à Fès, puis nous sommes arrivés ici en l'année 2000. Ce sont les sœurs franciscaines missionnaires de Marie qui nous ont proposé leur propriété. Et nous sommes très heureux dans ce milieu de vie, plutôt berbère qu'arabe. Et nous avons de très bonnes relations avec tout le voisinage, mais c'est dû surtout à cause de la longue présence des sœurs avant nous. Nous avons été tout de suite adoptés par cette population. Et donc ça a été une très bonne chose. Le doyen de la communauté est le père Jean-Pierre Schumacher, 95 ans. Il est le dernier témoin vivant de la vie monastique à Tibirine, ayant échappé, comme frère Amédée, à l'enlèvement puis à l'assassinat de sept de ses frères en 1996. Luc, Christian, Christophe, Bruno, Michel, Célestin et Paul. Le père Jean-Pierre s'est longtemps demandé comment vivre cette position de survivant jusqu'à ce qu'il reçoive une lettre d'une mère abbesse. Moi, je ne la connaissais pas personnellement, mais elle non plus. Alors, elle m'a écrit une lettre dans laquelle elle m'a écrit, elle se devinait ce qui se passait en moi. Le Seigneur a permis que les uns aient été pris pour rendre témoignage par le don de leur vie, et d'autres ont été laissés pour rendre témoignage par leur vie. Alors voilà ce qui m'a consolé, apaisé. Le père Jean-Pierre a vécu plus de 30 ans à Tibirine et participé à des étapes décisives de la vie de la communauté. Le monastère de Tibirine a été fondé en 1938 dans ce qui était alors l'Algérie française. À l'indépendance du pays en 1962, la vie de l'abbaye change radicalement. Le domaine agricole passe de 375 à 14 hectares, dont 8 cultivables. Les religieux ne sont plus qu'une poignée sur place et le monastère risque d'être fermé. C'est dans ce contexte qu'arrive le père Jean-Pierre. Je suis arrivé donc en 1964, le 19 septembre, et j'ai trouvé les pères en train de chanter les complis. Ils étaient trois. Tous les autres avaient déjà quitté le monastère, étaient répartis dans d'autres communautés, parce que la décision avait été prise de fermer le monastère. Et c'est grâce au cardinal Duval qui a insisté au chapitre général de 63, je pense, pour qu'on renvoie des religieux là-bas pour maintenir le monastère. Il voulait absolument qu'il reste. Et l'Église allait prendre un nouveau style. Avant, elle était simplement, la plupart du temps, pour les Européens. Donc, il voulait que ça soit l'Église de tous les Algériens, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion, leurs origines, etc. Et le monastère avait sa place là-dedans. La communauté de Tibirine a toujours été un défi permanent de communion depuis sa fondation. Une communauté qui a été marquée par la précarité et une certaine faiblesse.
qui a vécu une forme de renouveau après la guerre d'indépendance, avec l'arrivée d'un premier groupe de frères dans les années 60. Et puis, un deuxième groupe de frères est arrivé dans les années 80. Et c'est concomitant à l'élection du père Christian de Chergé comme prieur, qui a essayé, avec son charisme propre, de faire grandir ses frères dans cette communion et dans cette prise de conscience. Le monastère n'était pas une île, mais était inséré au milieu d'un village, au cœur d'une population. Des sept. Alors, il y avait bien sûr Christian d'abord. Christian est arrivé là-bas en 71. Et puis on lui a demandé assez vite d'aller à Rome faire des études d'arabe. Il est resté 2 ans. À ce moment-là, nous étions plutôt des anciens. Des nouveaux sont arrivés dans les années 84. Un certain nombre sont venus de Bellefontaine. Christian était donc originaire de Paris. Ses débuts ont été assez difficiles dans la communauté parce qu'il avait des options assez fortes, assez particulières, qui lui étaient propres. Il aurait voulu nous entraîner. À la fin de ses études à Rome, il avait organisé des échanges en arabe sur ce qu'il vivait avec les musulmans. Et ça prenait beaucoup de place, si bien qu'on a réagi un peu. La rencontre avec les musulmans va progressivement faire évoluer la communauté vers un dialogue spirituel avec l'islam, qui se concrétisera par la création du Ribat es-Salam, le lien de la paix. Tout commence par une rencontre imprévue avec un membre d'une confrérie soufie dans la ville voisine de Médéa. C'était un homme d'une trentaine d'années et on parlait de religion. Alors, en l'écoutant comme ça, je me suis dit, c'est curieux. Ce qu'il vit là, ce qu'il me dit, c'est très proche de ce que nous vivons au monastère. Et par exemple, il parlait de la souffrance. La souffrance, si elle est bien vécue, elle purifie le cœur. Il a donné comme exemple les olives. C'est un pays d'olivier un peu. Mais il dit, elle passe d'abord sous une meule, ils sont écrasés là. Et ensuite, dans une presse au corps, et il sort une huile comme ça. C'est une image du rôle de la souffrance dans le cœur quand c'est bien vécu. C'est la croix, hein. Ce dialogue spirituel est inséparable d'un dialogue de la vie, dans le quotidien, avec les habitants du village de Tibérine. Ils aiment l'Algérie, ce sont des amis des pauvres. Et puis, notre village, il n'était pas riche, généralement des pauvres. Et puis, il aide beaucoup. Et ils étaient associés aussi avec les gens du village. Il y a un véritable amour entre la population et les babas, c'est-à-dire les pères, les moines. La phrase qui souvent revient dans la bouche des gens, encore aujourd'hui, « ils nous aimaient ». Et donc c'est ça qui est très important, c'est que dans un petit village, aujourd'hui c'est environ 750 habitants, 92 familles, il n'y a pas eu de famille qui n'a pas eu un lien avec le monastère, en particulier avec l'icône du monastère qui est le frère Luc. Frère Luc est arrivé au monastère de Tibérine en 1946. Il choisit de demeurer frère convert, avec moins de présence aux offices liturgiques, disponible en permanence aussi bien comme médecin au dispensaire que comme cuisinier de la communauté. Quelques mots sur le dispensaire de Tibérine. Les consultations commencent le matin, vers 5 heures du matin, se terminent vers 11 heures. Le soir, elles reprennent vers 2 heures et se termine vers 5 heures. En allant vite, mais cependant en examinant les malades, dans ce dispensaire défilent chaque jour une centaine de malades.
D'après les registres qu'on a retrouvés sur ces presque 50 années de vie en Algérie, on estime à 600-650 000 patients qu'il a pu soigner dans un tout petit dispensaire de montagne, pas dans un grand hôpital d'Alger. Et Frère Luc soignait aussi bien les maux du corps que les maux de l'âme. Donc il était aussi le confident de beaucoup de personnes, de tous horizons et de toutes conditions sociales. Parmi les 7 moines martyrs de Tibérine, 3 avaient commencé leur vie monastique à l'abbaye de Bellefontaine, dans l'ouest de la France. Frère Michel, frère Bruno et frère Célestin. Le père Étienne était à ce moment-là le maître des novices et les accompagnait dans leur cheminement. La semaine la plus significative de tout leur séjour, et qui est unique dans toute mon existence monastique, c'est cette semaine, la première semaine d'avril 1984. Les 3 frères ont manifesté le sentiment d'être appelés à partir à Tibérine, Michel le mardi, Célestin le mercredi et Bruno le vendredi. Et quand le frère Bruno, le marchand, est sorti du bureau, j'étais un peu, quand même, sonné. Les frères ne s'étaient absolument pas concertés. Les frères ne parlaient pas entre eux au noviciat dans ces années 80. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que la communauté va dire quand elle va savoir que 3 des frères du noviciat pensent à partir pour l'Algérie. Je crois que dans le cadre du conseil, quand on en a débattu, quand j'ai rendu compte au conseil de l'abbé, le rédacteur du rapport a dit « un vent de folie passe sur le noviciat ». À l'abbaye de Tamier, en Savoie, 2 autres frères sont entrés dans la vie monastique avant de rejoindre Tibérine. Frère Christophe en 1987, après une première expérience 10 ans auparavant, et frère Paul fin décembre 1989. De nous manifester ton amour de père par ce repas que nous allons partager en ta présence. Frère Didier est le père hôtelier chargé de l'accueil des hôtes. Il a fait son noviciat avec frère Christophe et a développé une amitié profonde avec lui au cours des années. Je suis aimé. Cette certitude s'impose peu à peu, doucement, avec force en moi et m'oblige au don, afin que le monde sache qu'il est aimé d'amour. Ce qui émerge quand on lit Christophe, c'est le don. C'est le mot-clé chez lui, avec le « je t'aime ». « Je t'aime » et le don, mais ça revient au même, en fait. Hein. La découverte du « je t'aime » de Dieu et sa réponse « je t'aime » à Dieu, c'est ce dialogue perpétuel, et puis le fait que ça l'entraîne à donner sa vie jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, comme dirait Christian Chergé, c'est la même chose, en fait. L'appel à suivre le Christ dans la vie monastique remonte au tout début du christianisme en Orient, puis se développe en Occident, notamment grâce à Saint Benoît, dont la règle écrite au VIe siècle guide la vie des monastères jusqu'à aujourd'hui. Les moines et moniales cisterciens, nés de la réforme de Cîteaux en 1098, vivent en communauté
sous la direction d'un abbé et font vœu d'obéissance, de conversion de vie et de stabilité. Leur vie repose sur trois piliers principaux, la prière, la vie fraternelle et le travail quotidien. L'appel à la vie monastique dans une communauté cistercienne trappiste, un appel assez radical, puisqu'il y a une prise de distance par rapport à ce qu'on va appeler le monde, une prise de distance qui permet une certaine solitude, un certain silence, propice à laisser le Christ vivre et parler en nous. Ce que souvent nous appelons l'Opus Dei, l'œuvre de Dieu, est pour nous très très importante. Cette œuvre de Dieu, c'est la prière liturgique accomplie jour après jour et à différents moments du jour, à tel point que Saint Benoît va demander aux moines de ne rien préférer à l'œuvre de Dieu, pour dire que c'est premier, c'est un élément premier et porteur dans la vie monastique. C'est une œuvre accomplie communautairement en Église. Et Frère Célestin, par exemple, y accordait une grande importance. Alors, il était très sensible au chant, à la liturgie. Mais il va dire que chaque jour, avant d'aller au travail, il s'arrêtait quelques instants, peu importe où il était, ou à l'église ou ailleurs, pour se centrer vraiment sur le Seigneur et que toute sa journée, et même la nuit, soit accomplie sous ce regard de Dieu. C'est de pouvoir louer Dieu dans le chant, à l'église, avec les frères, mais aussi de pouvoir écouter le Seigneur, continuer de l'écouter. On l'écoute déjà à travers les psaumes, mais à travers une lecture plus personnelle qu'on appelle la Lectio Divina. L'important, c'est que j'ai découvert petit à petit, c'est qu'il y avait un va-et-vient entre la prière, le travail et toute la journée finalement est imprégnée de cette prière puisque nous interrompons toutes nos activités, que ce soit la lectio, que ce soit autre chose. On revient à la prière sans cesse tout au long du jour et petit à petit notre cœur devient une église domestique, une demeure de Dieu. La règle de Saint Benoît indique que tous les autres seront accueillis comme le Christ. Les monastères accueillent aujourd'hui de plus en plus de personnes qui viennent individuellement ou en groupe approfondir leur chemin de foi. Depuis le Concile Vatican II, l'Église a demandé que les monastères s'ouvrent davantage pour partager au plus grand nombre de personnes l'expérience spirituelle que nous avons en communauté, pouvoir en faire profiter, pouvoir la faire découvrir à tous les hôtes qui viennent ici à l'abbaye. Les hôtes sont invités à vivre le plus possible comme ils peuvent, selon les horaires de la vie monastique, parce que finalement, l'horaire de la vie monastique, c'est un horaire qui est plein de sagesse, qui est régulier, qui donne la paix.
À l'abbaye du Rivet, les 12 moniales vivent l'expérience de la vie cistercienne dans une plus petite communauté et composée de sœurs venant de différents monastères, comme ont pu le vivre les moines de Tibérine. L'enjeu est de construire peu à peu l'unité. L'office, c'est un lieu d'unification. Et puis, ce n'est pas rien de se réunir 7 fois par jour, d'être délogé de ce que l'on faisait et de se retrouver vraiment pour la même motivation, quoi, pour la louange, pour l'intercession. Et je crois que ça façonne beaucoup une communauté que de se réunir régulièrement pour cette prière partagée. Un autre lieu de construction de l'unité de la communauté, je pense que c'est nos rencontres du lundi matin, où c'est un temps d'entraide fraternelle simple, où chacune peut prendre la parole, soit pour confier une intention de prière, elle peut demander pardon pour un manquement, elle peut demander une explication par rapport à quelque chose qui s'est passé avec une autre sœur. On va parler aussi du concret de la vie commune, de ce qui va se passer pendant la semaine, etc. C'est un moment donc de grande simplicité, mais qui peut être aussi un moment de tension, parce que certaines choses peuvent être dures à entendre, si on a fait un manquement, que l'autre nous le fait remarquer. Donc c'est un moment d'ajustement aussi entre nous. Et je pense que c'est un lieu, à mon avis, qui est capital. Hein, c'est un moment finalement où on s'accorde aussi la miséricorde les unes les autres. Dans l'expérience des frères de Tibérine, je pense que... Alors, ce qui me touche beaucoup, c'est cette acceptation mutuelle de ce qu'ils étaient. Je suis persuadée que tous les efforts qu'ils ont essayé de poser pour vivre en tant que frères unis, dans la charité, je crois que ça a eu des fruits pour le peuple algérien. Algérie, 1993. Le conflit fait rage entre l'armée et les islamistes et entraîne des centaines de victimes dans la population, journalistes, médecins, femmes et enfants, intellectuels et enseignants. Les frères portent la situation du pays dans l'intercession et dans l'offrande de leur vie. Le jour de la Pentecôte, 1993, Frère Michel a écrit un texte qui peut être considéré comme une sorte d'appel à l'Esprit-Saint, non seulement sur lui, mais sur tout ce qui va se passer entre cette Pentecôte 93 et l'enlèvement, la nuit du 26-27 mars 96. Mais ici, c'est vraiment un appel à l'Esprit-Saint, comme on fait dans l'Eucharistie avant la consécration. Esprit Saint Créateur, daigne m'associer, le plus vite possible, non pas ma volonté, mais la tienne. M'associer au mystère pascal de Jésus-Christ, notre Seigneur, par les moyens que tu voudras. Sûr que toi, Seigneur Jésus, tu le vivras en moi, et pour ce que tu voudras. À l'image de Marie et des apôtres, daigne recevoir cette pauvre offrande de ton indigne serviteur et ami, Michel, à la louange de ta gloire et la consumer dans le feu de ton amour. Ô toi qui vis dans la communion du Père et du Fils, à toi, louange et gloire éternellement. Décembre 1993, les groupes islamistes armés, GIA, mettent à exécution leur menace de tuer les étrangers qui n'auraient pas encore quitté le pays. Le 14 décembre, 12 techniciens croates sont assassinés à Tamesgida, à proximité immédiate de Tibérine.
le soir du 24 décembre, un commando fait irruption dans le monastère. Nous étions en train de préparer la messe de minuit. C'était vers 8 heures le soir. Tout à coup, on s'est trouvé avec 3 personnes. Ils étaient entrés dans la propriété, dans le monastère. 2 jeunes habillés en militaire et puis Sayed Atiya, qui était le chef. On pensait que c'était notre tour d'être assassinés. Christian de Chergé parle avec Saya Atia, lui refusant tout d'abord d'entrer en armes dans le monastère qui a vocation de paix. Il racontera cette rencontre qui restera un événement décisif pour lui et toute la communauté. Et à mes yeux, il était désarmé. Nous avons été visage, en face de visage. Il a présenté ses 3 exigences, mais j'ai été capable de dire 3 fois non. Ou pas comme ça. Il a bien dit, vous n'avez pas le choix. Si, j'ai le choix. Non seulement parce que j'étais le gardien de mes frères, mais aussi parce que, en fait, j'étais le gardien de ce frère-là qui était en face de moi et qui devait pouvoir découvrir en lui autre chose que ce qu'il était devenu. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a eu un vrai changement intérieur chez Christian de Chergé. Et après la première visite du GIA, la nuit de Noël 1993, il a probablement pris conscience qu'il fallait qu'il soit davantage à l'écoute de ses frères et davantage orienté vers une écoute communautaire de ce que l'esprit pouvait dire. Il y a eu beaucoup de rencontres communautaires. Il a été très à l'écoute des frères et les frères se sont mis très à l'écoute les uns des autres. Christian nous a, au chapitre, nous a interrogés pour savoir si on veut rester ou partir. Il y a eu un vote à main levée. Tout le monde n'a pas levé la main, mais il y a aussi des échanges. Je me rappelle toujours de l'un qui a dit « Nous sommes ici comme le bon pasteur. Est-ce que le bon pasteur se sauve quand ses brebis sont en danger? Est-ce qu'il va se mettre en sécurité et laisser les gens comme ça ?» Voilà un peu l'esprit dans lequel ces partages se sont déroulés. Alors au terme, Christian a dit « c'est pas mûr encore, il voulait l'unanimité dans un sens ou dans l'autre. Nous étions en communauté. » Alors il a dit on reviendra là-dessus ensemble. Et entre-temps, il nous a pris les uns après les autres dans son bureau pour que chacun puisse vraiment exprimer ce qu'il ressentait. Parce qu'en commun, c'est parfois difficile de dire ce qu'on ressent soi-même. On est un peu impressionné par les autres. Alors après, il y a eu le deuxième échange. Tout le monde a levé la main. Il y a eu des mains un peu timides, mais tout le monde a levé la main, c'était décidé qu'on resterait. À l'abbaye d'Aiguebelle, maison mère de Notre-Dame de l'Atlas, sont conservées toutes les archives de Tibérine, notamment les écrits des moines. Les membres des familles et proches s'y retrouvent régulièrement pour numériser les documents en vue de leur conservation et de leur diffusion. Ils mettent ainsi au jour des écrits jusqu'ici inconnus. Parmi les découvertes qu'on a fait également, c'est l'ensemble des textes liturgiques et des intentions que faisaient les moines au cours de leurs 7 offices du jour, au moins un jour sur deux, quand c'était le frère Célestin qui s'en occupait. Parce que le frère Célestin notait sur des petits bouts de papier absolument tout, tout, tout. Toutes les intentions, toutes les prières d'introduction, etc. Et donc on a ça 7 fois par jour, pour tous les jours, entre 1984 et 1996.
Et puis un jour, on est arrivé à la dernière intention. La dernière intention, c'est vraiment la dernière fiche du dernier jour. C'est donc la petite fiche pour Compli, l'office du soir, avant de se coucher, du mardi 26 mars 1996. La lecture, donc, c'était un texte de Jean, et puis ensuite les intentions. Il y avait trois intentions, et après la dernière intention, le jour s'achève, et on va se coucher avec le Salve Regina. Et la troisième intention, je vous la lis. « Seigneur Jésus, reçois dans l'éternité bienheureuse ceux qui meurent, et donne-nous, ainsi qu'à nos frères de Fès, d'accueillir notre mort comme un passage vers la vie. » Et après, ils sont allés se coucher. Et ils ont été réveillés dans la nuit. La nuit du 26 au 27 mars 1996, 7 moines de la communauté sont enlevés. Leur mort sera annoncée officiellement le 23 mai. À Tibérine, aujourd'hui, des centaines de visiteurs, la plupart musulmans, viennent chaque semaine pour découvrir les lieux et se recueillir sur les tombes des moines. Ils sont accueillis par des membres de la communauté du Chemin Neuf, présente sur place depuis 2016. Les sept moines de Tibérine ont été béatifiés à Oran le 8 décembre 2018 en compagnie de 12 autres religieux et religieuses qui avaient choisi de rester en Algérie par amour pour la population et pour le pays. Le pape François, dans l'exhortation apostolique Gaudete et Exultate, a souligné la dimension communautaire de l'offrande de la vie des sept moines de Tibérine. La sanctification est un cheminement communautaire, à faire deux à deux. C'est ainsi que le reflètent certaines communautés saintes. En diverses occasions, l'Église a canonisé des communautés entières qui ont vécu héroïquement l'Évangile ou qui ont offert à Dieu la vie de tous leurs membres. Souvenons-nous également du récent témoignage des moines trappistes de Tibérine en Algérie qui se sont préparés ensemble au martyre. Chacun de nous peut être appelé à donner sa vie. Alors, elle sera prise ou elle ne sera pas prise ? Mais finalement, ce n'est pas ça qui est l'essentiel. C'est le fait de donner sa vie et la manière dont on va pouvoir la donner au quotidien. Christian de Chergé, dans les dernières années, avait cette belle remarque. Il disait « Nous avons donné notre cœur à Dieu en gros, et comme il nous coûte de le voir, nous le prendre au détail. » Et c'est tout le mouvement intérieur d'abandon, de lâcher prise que les frères ont vécu, qu'ils nous invitent à vivre à leur suite, dans ce lien d'amitié et de compagnonnage très fort au Christ. Naître, l'espérance qui m'arrive. Avec toi, tout commence enfin. Hier est dégagé, aujourd'hui est libre. Dans l'ouverture se dessine un avenir de lumière. Ta ressemblance m'attire. Dedans ta Pâque, je me suis glissé et me laisse prendre entièrement à ta vie. Ta résurrection m'envahit. Par toi s'actualise le don et tout s'éternise en joie.